Yo, salut à tous, bienvenue sur Levelmax Gaming Live. On se retrouve pour une petite vidéo sur le jeu Creative Destruction qui est disponible sur Steam, aussi en téléchargement sur le site officiel et aussi sur téléphone. Donc, petite vidéo de présentation du pass de combat de la saison 3 du jeu. Donc, ils appellent ça la carte saisonnière. Donc là, vous pouvez voir que j'ai déjà un skin sur moi du pass de combat. Donc, je vous montre ça. Donc, c'est parti, il y a 100 niveaux, bien sûr, je vais vous montrer depuis le début. Donc, on a les missions qui nous permettent, bien sûr, d'augmenter l'XP de notre niveau. Missions de semaine, quotidienne. Voilà, il y a un petit peu de tout. Donc, je sais pas quand la saison 3 exactement a commencé, mais il reste 52 jours. Je pense que c'est un peu comme de tous les autres Battle Pass sur les autres jeux. Donc, voilà, alors, sur la carte saisonnière commune, donc c'est tout ce que vous aurez gratuitement. Donc je vous montre, je vais montrer déjà tout ce qu'il y a en gratuit, et après je vous montrerai tout ce qu'il y a sur la carte saisonnière Flex que vous payez 5 euros. Donc alors, au niveau 2, pour donc bien sûr la carte saisonnière gratuite, vous aurez 2000 XP, 300 pièces étoiles, 2000 XP au niveau 4, au niveau 6, 3000 pièces, au niveau 7, vous aurez une image lors du chargement de jeu. Niveau 8, vous aurez un coffre. Niveau 10, vous aurez un petit parapluie dans le dos. Niveau 12, vous aurez 2000 XP. Niveau 13, 300 pièces étoiles. Niveau 14, 2000 XP. Niveau 16, 3000 pièces d'or. Niveau 17, une nouvelle image de chargement. Niveau 18, un coffre. Niveau 20, vous avez une petite gourde. Un tambour de ceinture. Regardez, voilà, il est juste là derrière. C'est un accessoire. Voilà. Niveau 22, vous aurez 2000 XP. Niveau 23, 300 pièces étoiles. Niveau 24, 2000 XP. Niveau 26, 3000 pièces d'or. Niveau 27, une nouvelle image de chargement. Niveau 28, un coffre. Niveau 30, 3000 pièces d'or. Niveau 32, 3000 pièces d'or. Niveau 33, 300 pièces étoiles. Niveau 34, 2000 XP. Niveau 36, 3000 pièces d'or encore. Niveau 37, une image de chargement encore. Niveau 38, un coffre. Niveau 40, vous aurez un skin pour le Deagle, je sais plus c'est quoi son nom exact. Voilà, skin fondue chinoise épicée. Voilà, assez sympathique on va dire. Niveau 42, 2000 XP. Niveau 43, 300 pièces étoiles. Niveau 44, un coffre. Niveau 46, 3000 pièces d'or. Niveau 47 encore, une image de chargement. Niveau 48, 2000 XP. Niveau 50, 3000 pièces d'or. Niveau 52, un coffre. Niveau 54, 2000 XP. Niveau 56, 3000 pièces d'or. Niveau 57, une page de chargement encore. Niveau 58, un coffre. Niveau 60, là vous aurez le Tsubame, qui est un parapente. Perso, je le kiffe pas trop. Donc il faut savoir que, alors je sais pas si c'était pareil pour la saison 1 et saison 2, mais la saison 3 c'est axé vachement chinois. Donc le jeu de base est chinois. Donc je pense que toutes les autres saisons, ça sera aussi. Je pense que toutes les saisons, ça doit être le délire un petit peu chinois, beaucoup du chinois. Donc là, il n'y a plus rien jusqu'au niveau 100. Il n'y a plus rien du tout. Donc voilà. Pour le pass gratuit, ça s'arrête ça s'arrête au niveau 60. Maintenant, on va passer donc au pass flex qui est à 5 euros. Donc voilà, au niveau 1, vous aurez cette tenue, donc celle que j'ai déjà sur mon perso, Longtang. Costume à la mode, tout simplement. Donc pour les mecs, là vous avez pour les meufs. Je trouve assez stylé pour les meufs, même si c'est le même. Vous aurez de l'XP, vous aurez une sorte de petite bannière lors des kills qui sera dispo pendant 30 jours. Donc au lieu d'avoir un affichage normal comme quoi vous avez fait un kill, vous aurez cet effet-là. Ensuite, vous avez de l'XP au niveau 2, niveau 3 aussi. Niveau 4, une page de chargement. Niveau 5, un skin pour l'AK-47. Donc c'est pas le plus beau. Il est sympa quand même, ça change un petit peu du skin de base. Niveau 6, 300 pièces étoiles. Niveau 7, un coffre. Niveau 8, 50, je vais dire rubis, mais c'est des diamants. Donc qui permettent d'acheter des skins particuliers ou quoi. Avec les pièces étoiles, vous pouvez aussi acheter certains skins. Niveau 9, on a de l'XP. Niveau 10, on a un nouveau costume brouillage tout azimut. Il est assez sympa, je trouve. Avec un petit effet de lumière. Voilà, assez stylé, je trouve.
Niveau 11, 3000 pièces d'or. Niveau 12, un coffre. Niveau 13, de l'XP. Niveau 14, vous aurez une page de chargement. Niveau 15, vous aurez un skin pour le lance-roquettes qui s'appelle Nuage Rouge. Ensuite, niveau 16, 300 pièces étoiles. Niveau 17, de l'XP. Niveau 18, 50 diamants. Niveau 19, de l'XP. Niveau 20, vous aurez un nouveau skin pour le modèle de désassembleur. Donc c'est en gros la pioche comme sur Fortnite, quoi. Ce qui permet de détruire les murs et tout pour récupérer de la construction. Ensuite, niveau 21, 3000 pièces d'or. Niveau 22, un coffre. Niveau 23, de l'XP. Niveau 24, une page de chargement encore. Niveau 25, on a un skin pour le Uzi. Fondue chinoise brûlante. Voilà. Moi, je kiffe pas trop. Déjà, le Uzi, je kiffe pas trop sur le jeu. Niveau 26, 300 pièces étoiles. Niveau 27, de l'XP. Niveau 28, vous aurez des diamants encore. Donc 50. Niveau 29, de l'XP. Niveau 30, un nouveau costume. Donc, brouillage tout azumi. Voilà. Azimuts, excusez-moi. Donc c'est le skin pour les meufs, hein. Niveau 31, 3000 pièces d'or. Niveau 32, un coffre. Niveau 33, 2000 XP. Niveau 34, une page de chargement. Donc c'est un truc, c'était un événement de foot qu'il y avait eu sur le jeu. Niveau 35, le chapeau guerrier sombre. Là c'est pas mal. Là c'est sympa. Niveau 36, 300 pièces étoiles. Niveau 37, 2000 XP. Niveau 38, 50 diamants. Niveau 39, un coffre. Niveau 40, et nous avons un parapente, lanterne rouge. J'aime bien le passe de combat, c'est les trucs chinois, tout ça, je kiffe. C'est vraiment stylé, je trouve. Enfin, tout ce qui est chinois, déjà, j'aime bien, donc voilà, pour moi, ça me plaît, il n'y a rien à dire. Donc, niveau 41, 3000 pièces d'or, niveau 42, 2000 XP, niveau 43, un coffre, niveau 44, une page de chargement, niveau 45, nous avons un skin pour l'AWAP, le sniper, le meilleur sniper du jeu d'ailleurs. Prune humée. Donc voilà. Assez sympathique. Je kiffe pas trop, mais là c'est sympa. Niveau 46, 300 pièces étoilées. Niveau 47, 2000 XP. Niveau 48, 50 diamants. Niveau 49, un coffre. Niveau 50, nous avons un nouveau skin. Treillis urbain. Assez sympa celui-là aussi. Voilà. Niveau 51, 3000 pièces d'or. Niveau 52, 2000 XP. Niveau 53, nous avons un cadre pour l'avatar. Niveau 54, nous avons encore une image de chargement. Niveau 55, un skin pour le VSS, le sniper qui pue vraiment la merde sur le jeu, je l'utilise jamais. Donc le Magnolia. Magnolia. Excusez-moi. Niveau 56, 300 pièces étoilées. Niveau 57, 3000 pièces d'or. Niveau 58, 50 diamants. Niveau 59, un coffre. Niveau 60, nous avons le casque de guerrier. Voilà, déjà rien comme ça, là, ça donne pas mal avec le skin comme ça du perso. Niveau 61, 3000 pièces d'or. Niveau 62, 2000 XP. Niveau 63, encore un cadre. Niveau 64, on a une image de chargement. Niveau 65, nous avons un skin pour le petit gun. Je sais plus comment il s'appelle. C'est celui-là qui a le viseur. On le voit de toute façon. Donc il s'appelle Bambou. Assez sympathique, j'aime bien comme ça. Vert, jaune, noir. Sympa. Ensuite, niveau 66, 300 pièces étoiles. Niveau 67, un coffre. Niveau 68, 50 diamants encore. Niveau 69, 2000 XP. Niveau 70, nous avons un tri urbain. Donc là, cette fois-ci, c'est pour les meufs. Niveau 71, 3000 pièces d'or. Niveau 72, un coffre. 73, on a encore un cadre. Niveau 74, une page de chargement. Niveau 75, nous avons un accessoire. Plume royale. Voilà. Niveau 76, 300 pièces d'or. Niveau 77, un skin chrysanthème pour la XM8. Voilà, il est vraiment pas mal. Mais bon, c'est une arme que je déteste. J'aime pas du tout cette arme-là. Les rafales, j'aime pas trop. Enfin, surtout celle-là. Niveau 78, 50 diamants. Niveau 79, 2000 XP. Niveau 80, on a un nouveau skin amour qui est assez sympathique aussi. Noir et or, j'aime bien. Ensuite, niveau 81,
3000 pièces d'or. Niveau 82, un coffre. Niveau 83, un cadre. Niveau 84, 2000 XP. Niveau 85, nous avons un parapente tigre. Ensuite, niveau 86, 300 pièces étoiles. Niveau 87, nous avons un modèle de désassembleur. Encore, hein, l'outil qui permet de détruire les murs et tout. Donc, avec son nom, Festival. Niveau 88, 50 diamants. Niveau 89, un coffre. Niveau 90, le skin amour pour les meufs. Ensuite, niveau 91, 3000 pièces d'or. Niveau 92, 2000 XP. Niveau 93, on a encore un cadre pour l'image de notre perso. Tout simplement. Niveau 94, une image de chargement. Niveau 95, on a un accessoire drapeau guerrier. Niveau 96, 300 pièces étoiles. Niveau 97, 3000 pièces d'or. Niveau 50, 80, niveau 50, qu'est-ce que je raconte? Je me suis inversé dans le chiffre des diamants et les niveaux. Niveau 98, 50 diamants. Niveau 99, un coffre. Et niveau 100, le skin le plus ouf sur Lascar, qui est Dragon Rugissant, donc au niveau 100. Voilà, Lascar. Le skin un peu de malade. Donc voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. Donc comme vous pouvez voir, on récupère beaucoup de pièces étoiles. Beaucoup de rubis aussi. Donc bien sûr, ça nous permet de racheter le prochain passe de combat. La carte saisonnière, comme ils disent, la saison 3. Voilà, la nouvelle saison commence. Octobre à décembre. Donc voilà, c'est de octobre à décembre. La saison 3. Donc voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager, tweeter, liker. Peace!